Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 18ème épisode de notre Let's Play Horizon Zero Dawn. Et aujourd'hui, on part sur la route de la corruption. Aïe, oui, ça chauffe. Hé hey. Super. Allez. Personne ne me voit. Sauf toi, apparemment. Thank you.
Bon bah ça s'est passé. Admire notre victoire. Oui. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Ouais. Ouah. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. D'accord. C'est fini. Ils pourront plus sévir. Les tueurs, la corruption, ils font partie d'un mystère que je veux découvrir. Où que mène ce chemin, j'irai. Tiens, prenne-toi un peu. Je saurai quoi en faire. Ah, il y a du loot pas terrible quand même. Mais bon. Toujours ça. Ok. Non, pas toi. Non, attends. Enlève-toi. Qu'est-ce que j'avais à faire? Sécuriser les zones corrompues. Celle-là. Je suis sur la carte. Ah oui, c'était plus loin. Bon, déjà, on va aller au feu de camp. Il reste à découvrir en face de nous. On va sauvegarder tout ça. Et je vais faire une escale technique de 2 minutes. Et je reviens tout de suite. Et de retour. Ah. Il fallait vraiment que je fasse cette escale technique. Ah. Alors. C'est un grand front. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des galopeurs. Ce serait vraiment bien si. Non, tu donnes juste de l'os. Fallait une peau, il me semble. Je sais plus quel upgrade.
Apparemment, ça sera pas pour tout de suite. Il y a des galopeurs là-bas. Déjà un feu de camp là. À côté du cracheur boursouflé. Peut-être qu'on peut se le faire comme ça. Ou pas. Ça brûle, le feu ça brûle. Voilà. Gardez ces distances. J'aurais bien aimé le cœur de Crasher, mais bon. Tant pis. Ardente, elle permet de faire quoi déjà, je sais plus. Ah, toi. Je mangerai ça plus tard. Donne une peau. Est-ce que je pouvais faire déjà avec la peau? Déjà, je pouvais faire ça. Et munitions de lance-câble, c'est ça. Quoi ? Ouh, un os de raton laveur, c'est vrai. Arête de poisson. Peau de raton laveur. Arête de poisson. Os et peau de raton laveur et arête de poisson.
sont où les... Ah, ils sont après. Galopeur. Je garde ça pour la route. J'ai ma cape de invisibilité, tu ne me vois pas. Ne me vois pas. Je m'entends par contre. Pirate. Le bruissement des feuilles me réconforte. L'allure des cracheurs boursouflés beaucoup moins. Déjà venu jusqu'ici? Je voulais pas récupérer la canne de rivage, je voulais descendre. Bon, ceci dit, oui, je voulais récupérer la canne. Avec 50? Oui, j'ai dépensé un max pour... Oui, je suis à côté du creuset. Pas vu, je n'existe pas. Et salut des Mandrakus. Oups. On va s'arrêter par là, je pense. Peut-être bien. Non, carrément. Là, il y a un marchand. On va se vider un peu. Voilà. Il est où le feu de camp? Il est où le feu de camp? Juste là. Je n'aime pas que les Karja me prennent de haut. Et comment veux-tu prendre au sérieux quelqu'un qui s'habille de la sorte? Je te souhaite des jours productifs et des nuits reposantes. C'est un vrai feu de camp? Non. Il est où le feu de camp? Bon, là, il y a un marchand. On va déjà voir ce qu'il a. Est-ce qu'il vous propose un truc qui m'intéresse? Entre le corps à corps, ça aurait été mieux en fait. Arme, est-ce que tu aurais quelque chose de neuf? Non. Pour prendre de l'ombre qui m'intéresserait.
Des objets spéciaux. Des boîtes à trésors. Ah oui, il y a les cartes. J'achète les cartes. Ressources. Qu'est-ce que j'ai en multiples exemplaires? Les lentilles de charognarde. Verre du désert. De la flambée, je vais m'en servir beaucoup plus qu'avant. De la viande riche. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Viande osseuse aussi. Soixante-dix-neuf. J'ai des amulettes antiques. J'ai bien envie de les garder. En mode. Ah zut, j'aurais dû la garder, un peu vite de dégâts de lance. Ça va, j'étais pas si plaque. Ah bah il est là. Il est là, le feu de camp. Voilà. Et donc, il y avait un projecteur là-bas, il y avait. Ah, c'est Atlantique, une fleur de métal. Est-ce que j'ai dit. Truc intéressant sur le trajet. Statuette Banouk. On grimpe là-haut. Sérieux, comment on grimpe là-haut? Par là. Oui, la dinde. Elle est bien fraîche. Bah oui. En même temps, vu la température qu'il doit faire ici. Pas monter assez haut.
On a la statuette. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on l'a. C'est une sorte de relique. Elle doit être... Banouk. Ok. Échanger à Méridien. En même temps, vu le chemin facile pour redescendre, c'est pas hyper discret. Donc, autre chose sur le trajet, un feu de camp à ouvrir. Une barre de métal par là-bas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et ciao.